Jésus, cloué sur le mât de la croix, d'où t'est venue cette force d'aimer? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chacun a fait des efforts de carême. Chacun a pris certainement un engagement. Chacun a pris de bonnes résolutions. J'en suis sûr. Pour se rendre plus proche aux pauvres et aux faibles, pour suivre et imiter le Christ au désert. Alors aujourd'hui, si je voudrais poser une question, aujourd'hui, où en sommes-nous dans notre cheminement de carême? Où en sommes-nous dans toutes ces résolutions que nous avons prises? Où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, dimanche des rameaux. Aujourd'hui, où nous marquons une pause? Aujourd'hui, où nous entrons dans ce que l'Église appelle la semaine sainte. La semaine, tu seras marquée par le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi. Alors, où en sommes-nous dans notre cheminement de carême, chers frères et sœurs? Et si je pose cette question, ce n'est pas pour vous déranger. Si je pose cette question, c'est pour revenir à l'essentiel de ce que le Christ demande à tous les chrétiens, de ce que l'Église demande dans ce temps particulier de carême. Et nous avons commencé par ce cantique qui nous aide à entrevoir un peu pourquoi une attention aux plus pauvres, pourquoi une attention aux plus faibles. Et lorsque nous méditons ce chant, ce cantique, nous voyons que tout le temps de jeûne, tout le temps de privation, tout le temps de prière se résume dans ce cantique, ou encore dans Isaïe chapitre 58, le verset 7, qui dit « N'est-ce pas plutôt ceci le jeûne que je préfère, de faire les chaînes injustes, délier les liens du joug ?» Renvoyer libres les opprimés et rompre tous les jougs. N'est-ce pas rompre ton pain pour l'affamé, héberger chez toi le pauvre sans abri? Si tu vois un homme nu, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Chers frères et sœurs, si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, et la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Chers frères et sœurs, d'abord, le pauvre c'est qui? Parce que l'Église fait un choix préférentiel aux pauvres, un choix préférentiel aux faibles. L'Église va toujours à la rescousse du plus pauvre. Alors le pauvre, c'est qui? Mais le pauvre, c'est le plus fragile. Le pauvre, c'est le faible. Celui qu'on peut facilement supprimer ou opprimer. Et vous avez vu un peu dans le témoignage de Roselyne, on dirait que le pauvre, c'est l'employé qui est écrasé, qui est méprisé par son employeur. Parce que l'employeur, il est en situation de force. Et elle a dit, elle va jusqu'à la traite de chien. Voici le pauvre. Celui qui crie à Dieu, celui qui n'a aucun recours. Heureusement que toi, tu avais un recours.
Amen. Celui auquel on peut faire toutes sortes de mal sans que personne agisse. Alors on dira que c'est le plus pauvre. C'est le plus pauvre. Amen. Et la Bible prend toujours l'image de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger pour exprimer l'état de pauvreté, l'état de dépendance. Voyez l'orphelin, celui qui comptait sur ses parents et qui subitement tu les perds, brutalement. Et tu n'as à personne sur qui compter. Regardez la veuve. Dans la Bible, lorsqu'on parle de la veuve, c'est cette dame qui était nourrie, qui était assurée par son mari et qui brutalement perd son mari. Alors la veuve, elle n'a plus rien. Regardez un peu l'étranger. Et l'exemple d'aujourd'hui, l'exemple des migrants montre la situation de l'étranger, des migrants. Le migrant, c'est celui qui dort peut-être dans une voiture en plein hiver. Le migrant, c'est celui qui est dans le campement de Calais, qui n'a même pas de chauffage, qui dort sous une tente. Le migrant, c'est celui qui, au bord de la rue, qui demande de l'argent. Le minimum pour subsister. Et en cela, j'ai un exemple. Lorsque j'étais à Ivry, les jeunes d'Ivry se sont mobilisés. Se sont mobilisés devant un migrant qui était en situation de précarité. Et la mobilisation a tellement fait écho que de bouche à oreille, ça fait boule de neige. Et à ce migrant, le Secours catholique, et par la voie d'Emmaüs et autres, par les structures, ont trouvé du travail. Trouver une situation pour régulariser sa situation. Voici un peu le jeûne qui plaît à Dieu. On ne vous demande pas d'accueillir les migrants, c'est pas ce que je demande, mais en collaboration avec des structures de l'État, avec des associations, de façon très réfléchie, nous pouvons donner un coup de main à ces migrants, à ces pauvres, à ces orphelins, à ces veuves. Mais ces personnes ont été citées par la Bible pour traduire un peu l'état de fragilité, mais le pauvre, ce n'est pas seulement que ça. Le pauvre, ce n'est pas seulement que l'étranger ou le migrant, ou bien la veuve, ou bien l'orphelin. C'est des images, c'est des symboles pour traduire un peu l'état de dépendance, l'état d'assujettissement, l'état de précarité de ces personnes. Mais la pauvreté existe encore aujourd'hui même. Et plusieurs personnes sont encore dans des états de précarité absolue. Amen. Mais si l'Église nous demande ce choix important, préférentiel du pauvre, n'oublions pas que le Christ lui-même s'est fait le plus pauvre parmi les pauvres. De Dieu qu'il était, nous disait la deuxième lecture, de Dieu qu'il était, il n'a pas revendiqué sa condition de Dieu, mais s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, il s'est abaissé. Le Christ, Dieu, va s'abaisser. Dieu va s'humilier jusqu'à connaître la mort la plus horrible qui soit, la mort sur la croix. Lui, le Fils de Dieu, abandonné, humilié, Jésus ne dit rien devant ses persécuteurs, devant ses détracteurs.
devant Pilate, devant Caïphe. Le Fils de Dieu reste silencieux devant ses persécuteurs et ses ennemis. Voilà un peu l'expression du pauvre souffrant. Alors qu'il avait, il en avait peut-être les moyens de se défendre. Jésus va rester dans le silence et dans la pauvreté. Et la Bible nous enseigne que parce que le Christ a accepté cette condition de pauvre parmi les pauvres, parce que le Christ va accepter cette humiliation, parce que le Christ va devenir d'abord serviteur et ensuite esclave, et parce qu'il va accepter d'obéir à son Père en mourant sur la croix de la mort la plus horrible, alors Dieu va l'exalter. Dieu va le relever. Dieu va lui donner le trône qui est au-dessus de tout trône, le pouvoir qui est au-dessus de tout, le nom qui est au-dessus de tout. Amen. Amen. Voici pourquoi il faut, le Christ nous donne ce chemin de pauvreté, parce que le chemin de pauvreté, le chemin de l'humiliation peut être un chemin d'exaltation. Amen. Et le Christ s'identifie à toutes ces personnes qui sont bafouées, à tous ceux qu'on bafoue. Sur le bord de la croix, le Christ va prendre la condition de toute la pauvreté de l'humanité, toute la fragilité de l'homme. Jésus est à la fois l'orphelin, le veuve et l'étranger. Chers frères et sœurs, cette pauvreté, vous et moi, nous la partageons tous. C'est vrai, aujourd'hui, tu peux dire que tu es fort, tu es puissant, tu es intelligent. Aujourd'hui, tu peux te réclamer d'un travail qui te nourrit très bien. Et donc, peut-être, tu n'as pas besoin de Dieu. Certaines personnes disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu parce qu'ils ont presque tout. Mais sachez que cette pauvreté, la condition humaine la partage. Et le temps de carême, justement, est ce temps où nous nous asseyons et nous disons véritablement, je suis poussière et je retournerai un jour à la poussière. Chers frères et sœurs, regardez un peu. Jetez un peu un coup d'œil dans les maisons de retraite. Vous allez voir les personnes âgées. Vous allez voir la pauvreté de l'homme. Des personnes qui perdent la tête alors qu'auparavant, ils étaient bien. Ils avaient toutes les facultés, mais il a fallu d'un petit déclin pour perdre peut-être la tête. Et j'ai un ami prêtre qui disait que lorsqu'il partait rendre visite à une maison de retraite à Paris, il ne pouvait pas supporter parce qu'il voyait des sommités de l'Église, des sommités de la société dans une condition de pauvreté, d'enfant, de bébé. Mais c'est cela la pauvreté de l'humanité. Et tous, nous partageons cette pauvreté, cette condition humaine. Lorsque nous sommes malades, nous faisons l'expérience de la pauvreté. Alors, si tu partages avec moi la condition de la fragilité humaine et de la pauvreté humaine, pourquoi ne pas avoir une attention particulière pour les pauvres, pour les plus fragiles, pour les plus faibles? Pourquoi les mépriser? Pourquoi mépriser le fragile? Pourquoi humilier? Et les humiliations, Dieu seul sait combien de fois nous en subissons dans nos lieux professionnels, comme le disait tout à l'heure Roselyne. Et partout. Partout. Et souvent, nous sommes souvent les auteurs de ces humiliations et nous en faisons des victimes. Sans nous en rendre compte que cette pauvreté, nous la partageons tous.
Nous la partageons tous, chers frères et sœurs. Tu es poussière et tu retourneras la poussière, nous le rappelle. Le Christ lui-même a emprunté cette voie pour nous montrer que la plus grande fragilité de l'homme, ben c'est le péché. C'est le péché. Et en cela, nul ne peut dire qu'il est parfait. Si le Christ a été méprisé, si le Christ a été abandonné, des hommes, hommes des douleurs, familiers de la souffrance, il est pareil à vous et moi. Parce que la doctrine catholique nous dit que le Christ est à la fois homme et à la fois Dieu. Et si le Christ a subi tout cela, sachez qu'un jour ou l'autre, nous aussi, nous pouvons subir ces humiliations, ces souffrances. Amen. Et le psaume 21 traduit un peu le sentiment du Christ lorsqu'il était sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ricane et hoche la tête. Il comptait sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Il me pince les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Chers frères et sœurs, ce psaume 21, par moments, nous avons l'impression de nous fondre dans la prière du Christ et dire « Adieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Regarde, il ricane, il hoche la tête. Ils se disent qu'ils comptaient sur le Seigneur, mais que le Seigneur le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me pincent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mes chers frères et sœurs, ce cri de Jésus, c'est bien le cri de tous ceux qui souffrent, qui sont opprimés injustement. Le cri du serviteur souffrant, le cri de la solitude. Combien de personnes n'endurent pas la solitude? Des personnes qui élèvent seules leurs enfants, des personnes qui cherchent du travail et qui n'en trouvent pas, des personnes qui ont tellement crié pour que Dieu vienne à leur secours pour guérir leur maladie. Plusieurs personnes crient « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Amen. Et le cri du Seigneur Jésus, c'est le cri de toutes ces personnes qui crient dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite, dans des maisons, dans des domiciles. Plusieurs personnes laissent retentir ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aie pitié de moi, Seigneur. Je crie vers toi, j'ai recours à toi. Agis et défends ma cause. Amen. Dans l'angoisse qui nous étreint, de celui dont aucun mot ne peut consoler, Jésus est aussi resté dans la solitude, chers frères et sœurs. Et personne pour le consoler, lui qui pourtant a consolé beaucoup. Jésus est resté tout seul sur la croix, avec seulement comme compagnon de bandits, de malfaiteurs. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et pire, un assassin, Barabbas, a été relâché à la place du juste. Et tout le monde se moque de lui. On dirait quelle injustice. Combien de personnes ne subissent pas des injustices? Combien de personnes ne subissent pas des injustices? Seules quelques femmes observaient de loin en parcourant le chemin de croix. Si le Christ a eu l'impression d'être abandonné, chers frères et sœurs, il y aura des situations où
tu auras aussi l'impression d'être abandonné. Mais sache que c'est une impression. Ce n'est pas la réalité. Parce qu'après, le Christ a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit ou bien mon âme. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Sache que la situation que tu traverses aujourd'hui n'est pas définitive. Sache que la situation de souffrance que tu traverses aujourd'hui est normale parce que tu es de la condition humaine, parce que tu partages la fragilité humaine. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette situation n'est pas éternelle et n'est pas définitive, car Dieu seul est éternel. Tout passe et rien ne reste. Amen. Amen. Alors tu as encore des chances, tu as encore cet espoir de compter sur Dieu, de fonder tout ton espoir sur Dieu, de regarder à Dieu, de regarder au Christ, car la croix du Christ nous parle. On était à une retraite où le prédicateur disait, la croix du Christ était la réponse à la souffrance de l'humanité. La croix du Christ nous parle. Le Christ sur la croix est la réponse. Est la réponse de Dieu à ta souffrance, à ce que tu vis, à ce que tu traverses. Laisse-moi te dire quelque chose. Fais en sorte de ne pas en vouloir à qui que ce soit. J'espère que Roselyne, tu n'en veux pas à ton ancienne patronne. Amen. Parce que la situation que tu vis maintenant, je crois que tu rends grâce à Dieu. Et tu n'as rien envié peut-être à ton ancienne patronne. Amen. Mais c'est comme ça que Dieu agit, chers frères et sœurs. Rien n'est définitif. La Bible nous enseigne que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, comment être attentif aux pauvres? Je dirais plutôt, Père Etienne, si tu le permets, je dirais plutôt, comment l'attention aux pauvres, aux plus petits, peut être pour nous un chemin pour rechercher le Christ. Chers frères et sœurs, si nous avons cette attention aux pauvres et aux plus petits, c'est pour rechercher le Christ. C'est pour trouver le Christ. Parce que le Christ, laissez-moi vous dire, s'exprime de façon véritable dans le pauvre, dans le faible. Dans le pauvre, dans le faible, voyez l'image du Christ désormais. Et si désormais vous avez cette vision, ce regard nouveau du Christ dans le pauvre et dans le faible, vous aurez une attention particulière aux pauvres et aux faibles, à la victime. Amen. On aura une attention particulière aux faibles et aux pauvres parce qu'ils sont l'image même de Dieu, l'image même du Christ. C'est vrai que le Christ, la présence de Dieu s'exprime, il a ce qu'on appelle cette présence immanente, c'est-à-dire cette présence dans le monde, dans la nature, qui fait que partout je peux voir Dieu, je peux prier Dieu. Mais cette présence se matérialise dans le pauvre et dans le faible, dans celui qu'on humilie et qu'on maltraite, chers frères et sœurs. Vous voyez souvent quand je prends l'image de l'enfant, je dis, ouf, voici l'expression de Dieu dans cet enfant. Dans cette fragilité, nous voyons Dieu. Et je comprends pourquoi le Christ a pris la condition d'homme, était tout fragile, tout petit, enfant, bébé, avait besoin qu'on le transporte. D'accord. Avait besoin qu'on le transporte. Lui qui était Dieu, il était dans la dépendance de ses parents, de son père et de sa mère. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru, chers frères et sœurs? Toute attention aux pauvres, aux plus faibles, est attention à Dieu, attention au Christ. Et sainte Et la mère Teresa l'a compris parfaitement. Elle a découvert dans le pauvre, dans le plus pauvre, la présence du Christ. Au point de fonder cette congrégation de la charité,
et de s'occuper des plus pauvres. Notre père, François d'Assise, l'a aussi compris. Lui qui était fils d'un marchand de draps, c'est-à-dire que fils d'un riche, il s'est laissé séduire par la pauvreté des personnes qui étaient dans les rues, au point d'épouser leurs conditions, parce qu'il voulait ressembler à ces pauvres, il voulait ressembler au Christ. Amen. Toutes les fois où tu auras un regard attentif à la pauvreté, à la fragilité de l'homme, à celui qui est victimisé, à la victime, à celui qui souffre, chers frères et sœurs, je te dis la vérité, chaque fois que tu auras cette attention aux pauvres, ben, sache que tu es sur la voie que le Christ a tracée. Dans cette pauvreté, tu vois le Christ en personne sur la croix. Et c'est seulement dans cette solidarité que nous pourrons faire beaucoup de bien. Que nous pourrons faire beaucoup de bien. Amen. Alors nous prions le Seigneur Dieu qui nous donne encore ce temps de carême où nous faisons un clin d'œil à la fragilité, une attention particulière aux pauvres, aux plus faibles. Nous prions le Seigneur qui nous donne toujours cette force du Christ. Le Christ qui sur la croix a eu toujours la force d'aimer jusqu'au bout. Que cette force soit toujours avec nous, pour que nous ne nous lassions jamais, pour que nous ne disons jamais, ben écoutez, j'ai tellement œuvré dans des associations de solidarité, j'ai tellement œuvré, j'ai tellement fait du bien, mais en retour, je constate que je n'ai rien, alors je me décourage. Chers frères et sœurs, le message que je viens t'apporter ne te décourage jamais de faire du bien aux plus pauvres et aux plus faibles. Ne te décourage jamais d'être dans des associations caritatives, des associations des personnes âgées, des personnes qui s'occupent de la fragilité. Parce que sache que tu touches la réalité même du Christ, de Dieu. Tu touches le Christ, tu touches le cœur de Dieu. Amen. Alors au cours de cette célébration eucharistique, nous allons encore prier afin que cette entrée dans la semaine sainte nous ouvre le regard sur tous ceux qui souffrent autour de nous. Vous savez, par moments, on a l'impression que ceux qui souffrent sont peut-être loin. Mais si nous faisons un peu attention, que nous ouvrons les regards, que nous demandons ce regard du Christ lui-même, nous allons voir que mais la souffrance, la fragilité, la pauvreté est à côté de nous, peut-être même en nous. Et chaque fois que tu pries pour le pauvre, sache que tu pries aussi pour toi-même, puisque tu partages aussi cette condition. Tu es solidaire de... Donc, tu pries aussi pour toi. C'est un peu comme des réserves que tu fais à la banque. Chaque fois que nous prions, chaque fois que nous posons des actes de générosité, mais aussi, nous pensons aussi à notre fragilité, à notre pauvreté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous prenne en grâce et que ce temps de prière, cette Eucharistie soit pour nous action de grâce, que Dieu touche toutes nos pauvretés, que Dieu nous guérisse de nos pauvretés, que Dieu ouvre nos regards sur la pauvreté de l'humanité, sur la fragilité, pour que le monde soit agréable et meilleur. Amen. Amen.